Dans les campagnes bordant les pentes des volcans au Rwanda, les villageois connaissent depuis toujours ces êtres au visage humain qui surgissent des feuillages dans un craquement sec, puis disparaissent avec une souplesse et une agilité qui semblent ignorer leur poids. Mais ce n'est qu'en 1902, parcourant les pentes de ces volcans drapés de brouillard, que les Occidentaux ont découvert une espèce qui leur était jusqu'ici inconnue, celle des gorilles de montagne. Durant de nombreux siècles, les voyageurs ont décrit, à leur retour, d'étranges créatures androïdes qu'ils disaient avoir vues ou dont ils avaient entendu un récit souvent effrayant. Il y a quelque 2500 ans, le navigateur carthaginois Hannon, parti explorer les côtes de l'Afrique, a rapporté un témoignage troublant. Il y avait une île habitée par des hommes sauvages, mais la plupart d'entre eux étaient des femmes au corps velu que nos interprètes appelaient gorilles. Nous ne pûmes pas attraper les hommes. Ils s'enfuirent dans les montagnes et se défendirent avec des pierres. Quant aux femmes, nous en prîmes trois qui mordirent et égratignèrent leurs conducteurs et ne voulurent pas les suivre. Nous les tuâmes et nous leur ôtâmes la peau que nous apportâmes à Carthage. Le récit de Hannon a fait l'objet de nombreuses interprétations. Qui décrivait-il ? Une sorte d'homme ou d'animal ? Un hybride ? D'autres témoignages ont parlé de grands singes des montagnes, dont l'un parcourrait les parois neigeuses du Tibet, le Yeti. Pure légende ou élément de réalité, en Occident, le doute a persisté à travers les époques. Mais les témoignages se faisaient de plus en plus insistants. Au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, l'anglais Andrew Battle, qui séjourna longtemps en Angola, fit une description partiellement juste des gorilles qu'il appelait Pongo. On ne peut pas prendre ces pongos vivants parce qu'ils sont si forts que 10 hommes ne suffiraient pas pour en dompter un seul. On ne peut donc attraper que les petits ou jeunes. La mère les porte marchant debout et ils se tiennent attachés à son corps avec les mains et les genoux. Communément, ils sont de la hauteur de l'homme, mais beaucoup plus gros et à peu près le double du volume d'un homme ordinaire. Un siècle et demi plus tard, à l'époque de Louis XV, le monde scientifique occidental ne sait toujours pas si ces animaux existent réellement ou si les récits de voyageurs sont des affabulations. On connaît désormais les orang-outans du sud-est asiatique et les chimpanzés de l'Afrique. Alors, y aurait-il des orang-outans africains, se demande le naturaliste français Buffon au milieu du XVIIIe siècle. Ou s'agirait-il du joko que certains appellent le chimpanzé et dont il fait graver un portrait peu ressemblant. En 1847, pour la première fois, la preuve de l'existence des gorilles est formellement attestée. Un médecin missionnaire, Thomas Savage, en détient un crâne provenant du Gabon. Il faudra attendre le XXe siècle pour que les Occidentaux découvrent, au Rwanda, la discrète existence des gorilles de montagne. En octobre 1902, l'officier allemand Robert von Boehringe tue l'un d'eux et envoie son corps pour analyse. C'est sur les pentes des volcans où se rejoignent trois pays, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda, que vit cette espèce particulière, adaptée au climat de montagne et protégée du froid par son épaisse fourrure. La colonie est constituée de familles qui se déplacent indépendamment les unes des autres entre 2500 et 4000 mètres d'altitude. En 1925 déjà, alors qu'aucun de ces pays n'était encore indépendant, le pouvoir colonial a créé dans la région le premier parc d'Afrique. Mais la protection des animaux était davantage un vœu qu'une réalité. Le gorille de montagne était la cible régulière des braconniers. On en vendait une partie de ses membres, le crâne ou les mains, auxquels on attribuait des vertus magiques ou dont on faisait des objets de collection. L'espèce a failli totalement disparaître. Il aura fallu l'engagement inconditionnel de personnes comme l'américaine Diane Fossey dans les années 60 à 80 pour sensibiliser le monde et exiger des règles de protection efficaces. Mais alors qu'une prise de conscience internationale commençait à porter ses fruits, un drame effroyable allait ensanglanter la région. En 1994, le Rwanda est le théâtre d'un génocide parmi les pires et les plus fulgurants du XXe siècle. En 3 mois, 800 000 personnes sont massacrées dans un pays plus petit que la Belgique. Réfugiés dans les forêts, les survivants cherchent par tous les moyens à se nourrir et la faune fait inévitablement les frais d'un nouveau braconnage. Les guerres civiles qui se déroulent dans la région accélèrent la menace. Mais la paix revient progressivement. Le Rwanda panse ses plaies profondes et renaît.
avec la force que génèrent les souvenirs de l'abomination et la volonté de ne jamais plus y replonger. Les étrangers sont à nouveau présents dans tout le pays. Aujourd'hui, est-ce que c'est risqué de venir dans ce pays ? C'est un pays très sûr. Je dirais l'un des plus sûrs qui existent. Bien sûr, c'est toujours les zones frontalières, spécialement avec le Congo, qui sont sensibles. Mais cela n'a rien à voir avec les touristes. Et par exemple, la capitale, Kigali, a la réputation d'être une des villes les plus sûres du monde, où vous pouvez vous promener au milieu de la nuit sans problème. By yourself, without any problems. Kigali fait ainsi peau neuve, capitale d'un État résolu à allier modernité et respect de l'environnement. Le pays aux mille collines retrouve ainsi sa sérénité et s'ouvre à de nouvelles sources de revenus, dont l'écotourisme est un des piliers. Les visiteurs étrangers doivent accepter des règles parfois strictes que les autorités édictent dans un souci écologique. Les sachets en plastique, par exemple, sont interdits sur tout le territoire du pays. Les gorilles de montagne, fleurons de cet écotourisme, sont aussi devenus les symboles d'une nature à protéger. Et de fait, aujourd'hui, même si le braconnage n'a pas encore définitivement été enrayé, du moins, il a fortement diminué. Le gorille de montagne est désormais protégé dans les trois pays qui en abritent l'existence. De part et d'autre des frontières, cette région des volcans Virunga a été classée en parcs nationaux qui se touchent. Les gorilles peuvent sans entrave se déplacer d'un pays à l'autre. Au Rwanda, à l'extérieur de la zone protégée, un lieu d'accueil est aménagé pour les visiteurs. C'est ici qu'on leur donne des consignes précises et qu'on leur enseigne le comportement à avoir en s'approchant des gorilles. Ces animaux ne sont pas dangereux si vous respectez des règles strictes. Ne jamais fixer longtemps un grand mâle qui vous regarde, baisser la tête en signe de soumission et, s'il s'approche, vous mettre de côté pour lui céder le passage, mais ne jamais vous enfuir en courant. Les mesures de prévention et de protection coûtent cher. Les personnes chargées de la surveillance, ainsi que toute l'infrastructure nécessaire à son application, justifient le prix élevé exigé de quiconque souhaite pénétrer dans la zone protégée. Au Rwanda, le permis de visite au parc national des volcans est d'environ 600 euros par personne et par jour. Seuls 70 visiteurs sont autorisés quotidiennement à pénétrer dans la région protégée. La marche à la rencontre de ces grands primates peut durer plusieurs heures et ne se fait pas sans escorte. Au moins deux guides et deux hommes armés, ainsi que parfois des porteurs, accompagnent les visiteurs, prêts à intervenir à tout instant. Un muret délimite la zone protégée. Il a pour première vertu de fixer une limite précise entre les zones cultivables et la nature intouchable. C'est important dans un pays très peuplé qui compte 11 millions d'habitants pour seulement 26 000 km² de superficie. Mais le mur empêche aussi les buffles sauvages et les éléphants de ravager les champs. Quant aux gorilles, s'ils franchissent évidemment aisément le petit entassement de pierre, ils ne s'approchent guère des villages car la forêt leur donne toute la nourriture dont ils ont besoin.
Le guide Emmanuel Harerimana, qui a grandi au bord même de la forêt vierge, avertit les visiteurs qu'on n'approche pas les gorilles sans leur demander leur approbation. Nous devons demander la permission. Comment? Eh bien, nous faisons... Cela veut dire « Bonjour, est-ce que nous pouvons nous joindre à vous ?» Alors le dos argenté ou un autre, s'il ne veut pas de notre présence, fait... Cela veut dire « Non, non !» Placide et moi, on vous dira « Restez où vous êtes, ne faites plus un pas en avant, nous restons là et nous continuons à mendier. » S'ils disent... Alors on vous dit « Ok » et vous pouvez prendre des images. Ultime recommandation, faire calmement ce que les gorilles demandent. Parfois, ils viennent vers vous, vous attrapent et vous tirent. S'ils vous tiennent, ne faites aucune plainte. Même le dos argenté peut vous saisir. S'ils vous tirent, suivez-le. Sans vous plaindre, c'est comme ça que ça se passe. Restez ensemble, mes amis et moi, nous garderons un œil sur vous. Nous nous occuperons de vous. Si vous vous dispersez, il se peut qu'un dos argenté vous provoque. Vous ne saurez pas comment réagir et ça, ça pourrait être un problème. Des bambous fraîchement cassés, des excréments intacts, les gorilles ne sont pas loin. En refusant que les humains s'approchent, les gorilles veulent souvent simplement tester leur autorité et s'assurer qu'elle soit respectée. Puis, après s'être fait prier une ou deux fois, ils acceptent. Mais la tolérance à la présence de l'homme varie d'une famille à l'autre, certaines refusant toute proximité. Une rencontre avec les gorilles de montagne ne doit pas dépasser une heure et chaque famille ne doit pas être dérangée par des visiteurs plus d'une fois par jour. Ces mesures ont l'avantage d'habituer les animaux à une présence pacifique et régulière de l'homme sans modifier leur caractère d'animaux sauvages. En se laissant approcher, ils permettent aux rangers de les identifier, de surveiller leur état de santé, de les protéger et de les dénombrer. Pour distinguer un individu d'un autre, ils observent son nez qui a toujours des signes distinctifs. La population des gorilles de montagne entre les trois pays compte environ 800 individus. C'est dire à quel point l'espèce est menacée, mais sa population accroît maintenant à nouveau régulièrement. Les familles changent de lieu plusieurs fois par jour en quête de nourriture. D'une dizaine à une quarantaine de membres, elles sont réunies sous la conduite d'un mâle dominant, appelé à juste titre « dos argenté ». Cette couleur distinctive n'apparaît que lors de sa pleine maturité. Il mesure alors jusqu'à 2 mètres et peut peser 200 kilos. Il vit avec ses femelles et avec les enfants qu'il a eus d'elles, ainsi qu'avec d'autres membres qu'il a acceptés. Le groupe peut compter parfois d'autres mâles au dos argenté soumis à l'autorité du dominant. Le pouvoir du chef ne sera contesté que quand sa force commencera à diminuer. Les journées sont d'égale longueur toute l'année dans cette région située à l'équateur.
les gorilles ont un rythme de vie assez constant. Si le temps est beau, c'est vers 6 heures qu'ils se réveillent, et un peu plus tard en cas de vilain temps. Ils quittent alors le lieu dans lequel ils se sont installés la veille. Végétariens, ils se nourrissent de plantes variées, assurant leur bon équilibre alimentaire. C'est leur occupation principale. Ils connaissent les vertus médicinales de certaines herbes qu'ils sélectionnent en cas de besoin. Repas, sieste et marche se produiront plusieurs fois dans la journée, avant que le groupe choisisse un lieu pour la nuit. Chaque membre, hormis les bébés, construit alors son nid fait de branchages et de feuillages pliés qui vont constituer un lit individuel. Est-ce que vous reconnaissez le langage des gorilles? Oui. Comme nous avons grandi avec les gorilles de montagne, que nous avons l'habitude de travailler avec eux, nous reconnaissons leur langage et leurs trois modes de communication. Avec le corps, avec le visage et par vocalisation. Nous connaissons plus de 16 vocalisations et pour une partie, nous en comprenons la signification. Et nous savons quand il veut faire l'amour. Nous disons « jiggy jiggy » quand il s'agit des gorilles. Quand il a envie de faire « jiggy jiggy », il dit aux femelles « and then all the females, they know, ah. Et les femelles savent qu'il a envie de faire l'amour. Et la plupart des femelles, si elles ont besoin d'un jiggy jiggy, elles s'approchent du doigt argenté, le touchent et font. Et le doigt argenté se dit OK. C'est comme ça que ça marche. Pour ces gorilles de montagne, il peut y avoir dans un groupe plusieurs dos argentés, mais il y a un seul mâle dominant, et c'est lui qui est censé jouir de toutes les femelles. Les mâles 2 et 3 ne sont pas autorisés, mais ils trichent. Alors ils emmènent les filles, ou disons les femelles, à quelques distances du dominant pour faire jiggy jiggy. Et s'ils sont heureux dans cet acte d'amour, ils font savoir aux dames. Et le dos argenté dominant peut entendre ce qu'ils font. Alors il va les punir. La plupart du temps, il punit les garçons, pas les filles. Quel genre de punition il inflige? Les dos argentés ont de longues canines. Ils mordent en profondeur, surtout le dos ou les côtes. Ils donnent aussi des coups de pied ou tapent. Voilà le genre de punition qu'il leur donne. That's those kind of the punishment to give to them. Mais la punition n'est pas systématique. Le mâle dominant peut autoriser certains membres de son groupe à s'accoupler avec des femelles bien définies. Il acceptera parfois aussi les enfants qui en naîtront. Le temps de grossesse est à peu près le même que chez les humains.
Quand les juvéniles atteignent l'âge adulte, ils se détachent progressivement du groupe, qu'ils suivent à distance ou dont ils restent éloignés jusqu'à le quitter définitivement en quête d'un partenaire ou d'un nouveau groupe. Les familles se recomposent ainsi régulièrement. Elles ont l'espace suffisant pour se développer dans cette région de volcans, pour autant que les réserves naturelles ne soient plus grignotées. Avant la construction du mur, les indigènes ont repoussé à diverses reprises les limites de la forêt protégée en abattant les arbres pour y mettre des cultures. Le gouvernement rwandais a fini par convaincre la plupart des habitants de la région que le respect de l'environnement déboucherait sur un écotourisme, source d'emplois et de revenus pour eux. Ils ont alors érigé le muret de délimitation et ont été payés pour le faire. Issu d'une famille de braconniers établie au bord de la forêt, Emmanuel Harerimana avait 4 ans quand il a vu pour la première fois un gorille. The people here, most of us used to be poor. My dad was poacher. La plupart d'entre nous ici étions pauvres. Mon père était un braconnier, j'étais un braconnier. Nous partions chercher de la nourriture pour nous. Parfois, nous devions attendre 4 mois jusqu'à la prochaine récolte de pommes de terre. À cette époque, il était très difficile de trouver quelque chose à manger. Alors mon père partait tuer des animaux comme des antilopes ou des duikers. Évidemment, vous ne pouvez pas courir à leur vitesse. Alors vous devez mettre un piège pour attraper ces animaux. C'est comme ça qu'on les tuait. Est-ce que vous tuiez des gorilles à cette époque? Je dirais pas vraiment, parce que dans notre culture, nous ne mangeons pas de gorilles. Mais avec les pièges que nous mettions, il arrivait que des gorilles se fassent prendre. Parfois, ils perdaient une main ou leurs pieds, et parfois aussi, ils en mouraient. Mais ils n'étaient pas la cible que nous visions. Some died because of our tribes, but not. We didn't target the gorillas; they could die by accident. The people were not afraid of the gorillas. They're not afraid for the gorillas. Les gens n'avaient pas peur des gorilles parce que les gorilles ne blessent jamais personne. Alors, quand nous étions enfants, nous savions que les gorilles étaient de bons amis pour nous, et spécialement qu'ils ne détruisaient rien dans notre village. Ils ne faisaient que passer, avoir du plaisir dans le village, puis ils repartaient dans le parc. Nous sommes bons amis depuis de nombreuses années. Un des succès des autorités est d'avoir su convaincre d'anciens braconniers, comme Emmanuel, d'offrir leur connaissance des lieux en devenant guides et défenseurs du respect de l'environnement dans leur région. C'est un tourisme vert, plutôt haut de gamme, que le Rwanda cherche à développer, notamment pour financer une protection efficace de sa faune. À 2 pas de la réserve, plusieurs lodges de grand confort accueillent les voyageurs. Hygiène soignée, nourriture fine, un luxe très prisé entre 2 visites aux cousins de la forêt. On a affirmé autrefois que la Terre était au centre de l'univers, que les étoiles tournaient autour d'elle et que seul l'homme avait reçu une âme. Au XVIIIe siècle, celui des Lumières, la science a beaucoup progressé, mais son regard sur les animaux est encore plongé dans l'obscurantisme. Buffon décrit ainsi le primate, dont la ressemblance avec l'homme est une troublante énigme. Le cerveau est absolument de la même forme et de la même proportion, et il ne pense pas. Il n'est dans la vérité qu'un pur animal, portant à l'extérieur un masque de figure humaine, mais dénué à l'intérieur de la pensée et de tout ce qui fait l'homme. Nous savons aujourd'hui que l'ADN des gorilles est à environ 96% pareil au nôtre. Nous les voyons s'émouvoir, communiquer, et réfléchir. Mais il reste énigmatique. À quoi songent-ils tout en savourant une tige tendre ou en dévisageant leurs cousins humains venus les observer? Un jour, nous comprendrons peut-être réellement leurs pensées, et cette étape signifiera
la découverte d'un nouveau monde.